Pendant que la lettre ministérielle et le mode d'emploi s'impriment à Besançon, il reste à fabriquer deux composants essentiels du kit, le coffret en carton et le porte-chéquier en PVC. Au regard des volumes et des délais de fabrication, l'ANSP reste attentive aux coûts de production et à valoriser le savoir-faire français. C'est une entreprise près du Mans, soucieuse de sa responsabilité sociale et durable, qui va prendre en charge la fabrication de la boîte en carton. Notre technologie, donc notre métier, c'est la transformation du carton papier. Tout est à base de contre-collage carton papier. Donc nos matières premières, c'est du carton compact recyclé, à base de papier recyclé. Nous employons également des colles animales qui sont entièrement recyclables. Et donc tout est à base de contre-collage carton papier. Un véritable défi pour cette PME du Mans. Livrée en moins de 5 semaines, 1 500 000 exemplaires du coffret. 4 lignes de fabrication ont été nécessaires, travaillant 24 heures sur 24 en 3-8 pour tenir les délais de ce formidable marché. C'est un marché important puisque au cours de cette péripétie, nous avons transformé 115 tonnes de carton et 16 tonnes de papier pour arriver au bout de cette aventure. Donc inutile de vous dire que ce sont des prouesses à la fois techniques, parce qu'il faut mobiliser beaucoup de machines, humaines, parce que tout le monde est sur le pont pour réaliser cette opération qui, dans le temps, est très très courte. Et puis c'est une aventure technologique, parce que nous avons développé et mis au point quelques machines pour aller au bout de cette aventure et dans le timing qui nous était imposé par le ministre. On display, on Pour ne pas égarer les 200 euros de chèque Césu, le kit a été doté d'un porte-chéquier en PVC incorporé dans le coffret. C'est à Gisors que IME, le maître d'œuvre du kit, l'a réalisé, avec toujours le même souci de répartir la charge de travail sur tout le territoire français et dans un souci d'une technique de fabrication écologiquement responsable. Nous réalisons le porte-chéquier. Porte-chéquier donc réalisé à partir de PVC, PVC transparent, qui est soudé par haute fréquence, qui est un procédé donc très moderne et très efficace de soudure, qui agite les molécules du PVC, donc qui les échauffe et qui les soude. Donc c'est une soudure qui est très très propre et une méthode de fabrication silencieuse et très rapide. Le kit Césu a maintenant été imprimé, le coffret et le porte-chéquier fabriqué. Il ne reste plus qu'à assembler tous ces éléments, un par un et à la main. Pour cela, direction Sainte-Marguerite en Lorraine.